soki lelo ekomelinga ete makambo einde linga et qu'il s'est avéré qu'un cas similaire au mien n'a jamais eu lieu. Même pas dans la Bible, je n'y ai trouvé à qui me référer pour mon cas. Aïe aïe aïe. Oh mon âme, mon ego. Oh mon âme, souviens-toi, Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisées. Oui, les bontés de l'éternel ne sont pas épuisés. Oh non, 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 non. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Mais elles se renouvellent. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, amen. 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 Samba kokio sale la ngai. Makambo esalema nanu te. Akoki osalela ngai bikamwa oyo ekoma makutu te. Akoki obanda na ngai lisola sika oyo ebetama jamais na linyango. Soki akoki kosala makambo ekoma makutu te. Boni boni mpona oyo aloba loba. Aloba insista, akomango na Biblia na ye, alapa kutunda ye. Tant que je suis encore sur terre et là, Dieu n'a pas encore fini d'écrire sa Bible là. On pouvait encore comprendre que la Vierge d'Aaron puisse porter des fruits. Parce que ce bâton au départ était issu d'un arbre. Mais comment expliquer que la verge de Moïse puisse devenir un serpent? Quel rapport y a-t-il entre un bâton et un serpent? Y a pas de limite à ce que Dieu peut faire. Quand son zèle se déploie, Dieu contourne même sa procédure. Sakana na moutoua, dis-moi, coupé sans bon mot. Oh mon âme, oh mon âme. Dieu n'a pas fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire à écrire avec toi. Oh mon âme, souviens-toi, les bontés, l'éternel. Il y a encore des ressources non exploitées. Souviens-toi. Écrire sa Bible, il a une histoire à écrire avec toi. Les bontés de l'éternel. Oh mon âme, souviens-toi. Les bontés de l'éternel.